une presse à cuisse limitless. Alors limitless, c'est comme le film, si tu l'as vu. C'est sans limite, alors sans limite de poids. Donc on a 4 gros épis. Et pourquoi limitless? Ah non, enfin 5. J'oubliais celui du le chapeau. Pourquoi? C'est parce qu'on a un système de glissement unique. Alors, je crois que le vendeur, il nous a dit c'est fait pour 2 tonnes chaque roulement. Donc il y en a 4. Mais ils garantissent la machine jusqu'à 2 tonnes seulement pour le total. Donc ce que j'aime, donc il n'y a pas de roulette, ce qui évite les saccades des roulettes. Et le roulement, il est directement sur les barres, et les barres, elles sont directement sur le châssis de la machine, ce qui donne beaucoup de solidité, d'où le nom Limitless. Même le mouvement, il est pas mal. Alors je vois là, il y a un petit piédestal, tu montes sur le piédestal, et puis avec la main, t'aides, il y a une poignée là, et puis t'aides pour les répétitions forcées d'un pote. C'est pas forcément la meilleure façon d'aider les gens. Hein. Pour aider à la presse à cuisse, le mieux, alors bon, il y a les poids, hein, mais le mieux c'est de pousser comme ça. C'est là où je trouve on a le plus de force. Bon, évidemment, si le mec il descend jusqu'en bas, c'est un peu difficile, mais pour les dernières répétitions forcées en fin de série, c'est pas mal. Et donc le siège, regarde, magouille le siège, je pense qu'il a 3 positions, peut-être que 2. Ah, mais il a que 2 positions, un peu limité ça, limitless, porte mal son nom. C'est une presse à 45 degrés. Et elle doit coûter assez cher, mais c'est quand même de la presse balèze.